Cette semaine, dans Chemin de Traverse, je vous emmène à la rencontre d'une artisane d'art. Hélène Beneteau crée des objets avec amour, des objets qu'elle façonne avec délicatesse. On va aller la retrouver ici, dans son atelier. Nous sommes à Mouchamp. Bonjour Hélène. Bonjour. Dis-moi, c'est joli hein, par ici. Nous sommes vraiment au cœur du vieux Mouchamp, hein, cette petite cité médiévale, petite cité de caractère, attention aussi. Et on est dans un bâtiment très ancien ici. Oui, une bâtisse qui date du 15e siècle, qui est l'annexe de la maison seigneuriale. 10 années ici d'expérience, 3 années à Malièvre. Exactement, ouais, j'ai démarré à Malièvre. Et depuis 10 ans ici. Alors Hélène, tu fais des objets, mais des objets pour la vie de tous les jours, pour la vaisselle. La vaisselle finalement. Oui, tout à fait. Oui, hein, oui, c'est oui, ça oui. J'ai une production utilitaire, oui, où j'aime faire des objets du quotidien. Voilà, des objets qui sont à la fois beaux et pratiques. Oui. Alors on a des bols, on a des tasses, on a... Qu'est-ce des assiettes. On des a... assiettes. On a des saladiers, enfin voilà, tout ce que peut représenter le quotidien. Chaque objet est unique, Hélène, parce que toi, tu ne te sers pas d'instruments qui pourraient les faire se ressembler les uns aux autres. Ils ont chacun d'ailleurs leur histoire. Exactement, oui, 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 c'est vrai que je tiens à travailler tout simplement avec simplement mes doigts. Bon, c'est vrai que j'ai quand même un tour électrique et je fais chaque objet comme si c'était le plus beau du monde. C'est un peu ma démarche. Je peux te montrer, Grégoire, si tu veux, ce que je fais en ce moment. Donc là, je viens de finir vendredi, j'ai fini une série sur les égouttoirs. Donc ça, c'est un petit objet qui a eu beaucoup de succès, d'ailleurs, l'an passé. C'est vrai que je le vends avec une assiette qui est en bas. Mais je ne vais pas y toucher parce qu'elles ne sont pas sèches. Donc je risquerai de les déformer. Voilà, donc c'est un objet qui est assez pratique. C'est pour la cueillette, déjà. On va la chercher dans le potager. Ensuite, on va le laver et on le présente. Donc un seul objet pour tout faire. Voilà. Et c'est ce que j'aime assez, c'est oublier ces multitudes d'objets là, avec simplement un égouttoir et une assiette. On, du début à la fin, de la cueillette jusqu'au lavage, voilà, on n'a qu'un seul objet. Je fais aussi des tasses. Alors ça, c'est un objet que je fais depuis le début, ça. La tasse, j'appelle la tasse Diabolo, qui est hyper pratique. Voilà, on l'a bien en main, on peut utiliser la hanse, on peut aussi entourer avec sa main. Non, c'est aussi une pièce qui a du succès, le déjeuner. Alors le déjeuner, ça c'est un classique pour les chambres d'hôtes, voilà, que je vends avec la soucoupe. Ils sont destinés à avoir quelle couleur au final? Ça dépend. Là, il y a une commande, donc je sais qu'il y en aura certains qui seront en bleu de nuit. Et puis s'ils sont réussis, je vais un peu varier les couleurs en fonction de mes envies. Il y a toujours deux cuissons? Une fois que le séchage est fini, donc on le voit bien au niveau de la couleur. Là, par exemple, le déjeuner que j'ai pris dans la main juste avant, on voit bien que sa couleur, au fond, il n'est pas sec. Hein. Donc si jamais il y a encore une once d'humidité dans la pièce, si j'allume le four, voilà, ça éclate tout de suite. La poterie, c'est un métier de patience. Voilà. Et ensuite, donc, il y a une première cuisson à 980 degrés. Bon, ça va bien changer de couleur au défournement. Ça va ressortir de cette couleur-là. Voilà, là, c'est la même terre, là. Première cuisson à 980, donc on voit bien que ce gris foncé en fait qui est chargé de fer, il y a un peu d'oxyde de fer, il colore un peu en rose, mais là ce n'est pas fini puisque la pièce est poreuse, donc si on mettait de l'eau à l'intérieur, j'aurais la main trempée. Donc ensuite on va l'émailler. Qu'est-ce que l'émail? Ce n'est ni du vernis ni de la peinture. L'émail, c'est un mélange de minerais qui vont être à la cuisson ensemble, vont fondre et faire une fine couche de verre qui va être posée sur la pièce. Voilà Grégoire, nous sommes à l'étage, dans la boutique. Cette pièce est magnifique. C'est une belle pièce, c'est vrai. Ouais. Oui. Autant par l'histoire, ce qu'elle dégage, cette cheminée incroyable. Ouais, cheminée du fin 17e quand même, hein, estimée autour de 1680-1690, avec peinture d'origine. En 2014, il y a eu des travaux qui ont été faits.
avec une restauration des peintures, un redressement de la cheminée qui suivait le bâtiment, hein, c'est-à-dire que ça penchait vraiment, d'ailleurs on voit bien sur l'encadrement. Et ça penche toujours. Ça penche toujours un ici, peu. Après... au niveau du parquet pour ah, nous. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui. On a les natures mortes déjà qui sont sur la paroi, avec déjà la paroi aussi avec un petit cabinet de toilette, c'était très certainement une chambre ici. Puis donc ces peintures ici qui entourent la cheminée, donc avec une scène de chasse à cour, hein, n'est-ce pas, qui était très fréquente à l'époque, avec le seigneur, un personnage certainement important, et puis la dame en Amazon ici là. Alors je trouve que tes créations elles s'harmonisent bien avec la beauté de cette pièce. C'est très épuré. Il y a beaucoup de choses à observer. Et effectivement ici, les gens qui veulent connaître davantage ton travail montent ici. Et puis, peuvent évidemment en savoir un peu plus sur ce que tu crées. Mais j'essaye de montrer un peu ce sur quoi je travaille depuis certaines années. C'est vrai que j'élabore mes émaux moi-même. Hein, c'est-à-dire que je suis partie d'équations moléculaires pour pouvoir faire différentes couleurs. Donc, c'est un travail empirique, hein, un travail d'expérience. Voilà, et au fur et à mesure du temps, on s'améliore. Tu n'aimes pas trop ce terme-là, hein, de terme de potière. Pourtant, c'est plutôt ce que tu es, mais oui. Tu aurais tendance, artisan d'art de toute façon, mais avec cette tendance à vouloir aussi peut-être évoluer, à quitter un peu l'objet utilitaire pour aller plus vers un univers personnel de création qui serait moins utilitaire. Et là on serait plus sur un côté céramiste. Oui, alors c'est vrai que... Voilà, je fais ce travail depuis le début de mon installation, ça fait 13 ans. J'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour et parfois ça m'ennuie. Alors il y a des périodes où j'aime bien sûr, et d'autres périodes où j'ai quand même envie d'explorer d'autres choses. Donc j'ai quand même eu le temps de travailler sur cette graine-là. C'était un travail sur la germination, donc mon impatience a fait que je ne suis pas allée sur la première étape où la graine est fermée. J'ai voulu l'entrouvrir un petit peu. J'aimerais beaucoup continuer ce travail-là, sur des pièces un peu plus monumentales. Sortir de l'émail aussi. Hélène, qui sont tes clients ? Alors, mes clients sont surtout des particuliers. Et j'ai une clientèle très locale. J'ai cherché à développer plutôt un marché local que touristique. Tu as une clientèle fidèle, mais aussi qui se renouvelle ? J'ai une clientèle très fidèle et qui se renouvelle, hein, évidemment. Il y a des nouveaux clients qui arrivent, et heureusement. Mais c'est vrai que les gens, en général, reviennent. Alors, pas forcément très souvent. Hein, il y a peut-être une rotation de 2-3 ans, souvent. Et ce sont toujours les bols, hein, les tasses qui fonctionnent le plus, hein, les assiettes aussi. Ou est-ce qu'il y a des produits qui ont plus de succès dans ce que tu réalises ? Oui, alors c'est vrai que l'assiette a un succès fou là, ces dernières années. Bon, il y a les classiques, hein, les tasses, c'est un grand classique, le bol aussi. Hélène, parfois tu vas même chercher l'imperfection, hein, dans tes créations. Puis il y a des objets qui sont là autour de nous, peut-être plus travaillés que les autres, avec vraiment des nuances de couleurs, avec du relief. Enfin, on se plonge complètement dans un jeu d'émail. C'est vraiment un travail d'artiste. Hein. Il y a cette idée de pouvoir créer, de mener à bien ses créations jusqu'au bout. Comme disons comme on l'entend. Je me suis accommodée de mes défauts. C'est que donc l'émail se présente sous forme de liquide, pâte à crêpes un peu. Donc je trempe mes pièces avec des coulures. Et c'est vrai qu'en fonction des émaux, notamment celui-ci là. Je laisse sciemment ces coulures parce qu'on a des effets qui sont complètement différents. Par exemple, on en a ici, oui. Oui, on en a là. Ouais. Donc on voit bien ce bol. C'est un bel exemple, ce bol. Tiens. Donc l'émail ici, il est posé très fin, c'est-à-dire avec beaucoup d'eau. On va aller sur du marron comme ça, d'ailleurs. Même le pied là, c'est le même émail. En fait, c'est le même émail. Intérieur, extérieur, même émail. Donc, en fonction de l'épaisseur de l'émail, on va avoir des différentes nuances. Et puis, alors, s'il est très épais, comme ça, voilà, on a une couleur qui est complètement différente. Hein. On passe du marron au bleu. J'ai massé les nuances, que la pièce, elle soit vivante et qu'il y ait des... que ce ne soit pas uniforme, quoi. Parce que ce n'est pas de l'industrie, en fait, ce que je fais. Alors,
Alors, si vous aimez la poterie et ses créations que vous découvrez ici, vous savez que vous pouvez peut-être en savoir un peu plus et même apprendre. Parce que, Hélène, toi, tu proposes non seulement aux écoles de passer, de se former, tu organises des ateliers. Mais au-delà de ça, tu prends vraiment des gens avec toi, quasiment même pour les former. Oui, oui, oui. Alors, il y a différentes démarches. Professionnelle, parce que oui, ça m'arrive de prendre des stagiaires qui commencent comme moi j'ai débuté, c'est-à-dire avec un CAP de tournage en céramique, et après des démarches qui sont beaucoup plus personnelles, hein, qui n'ont rien à voir avec le pro, où les gens ils ont envie de faire, et c'est vrai que ça c'est la tendance du moment quand même. Donc j'accueille régulièrement des personnes adultes plutôt pour le tournage, parce que ça nécessite un savoir-faire et un peu de force. Donc pour les enfants, c'est pas trop adapté. Donc ça m'arrive, ouais, sur trois séances. On voit la fabrication du début à la fin. Et sinon, c'est vrai, les scolaires, plutôt printemps, qui viennent découvrir l'atelier, le métier, et qui font aussi des objets. Tu leur fais faire quoi, alors ? Oh, bah, des objets simples, des objets à base de modelage, souvent des bols, souvent. Ils repartent avec leur bol, ils sont contents. Et l'été aussi, je propose des ateliers le jeudi matin, pendant une heure et demie, où là, on a découvert du métier également, avec démonstration de tournage, et puis ensuite fabrication d'un objet. Les gens repartent avec leur objet. Alors, en venant ici à Mouchamp, vous découvrirez une petite cité de caractère qui est magnifique. Ce sera l'occasion de venir te voir, hein, Hélène, parce que la porte, elle est ouverte toute l'année, hein, aussi. Oui, je suis ouverte toute l'année. Alors bon, il y a des périodes qui sont beaucoup plus intenses que d'autres. C'est vrai que... Quand c'est intense, tu salues les gens quand même. Toujours, je salue les gens. Bien sûr. Toujours, bien sûr. J'essaye de les accueillir. Bon, des fois, il y a beaucoup de boulot, mais voilà, j'essaye de toujours prendre le temps de bien expliquer mon travail. Et oui, oui, évidemment, je prends du temps pour les gens. Et voilà, après, il y a des périodes dans l'année qui sont beaucoup plus calmes. C'est vrai qu'il est préférable d'appeler avant. D'accord. Ok, en tout cas, j'étais ravi de te rencontrer. Merci de nous avoir fait découvrir ton beau savoir-faire ici à Mouchamp. Nous, on se dit à une prochaine fois pour un autre numéro de Chemin de Traverse.